la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Colossiens 3, verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Peut-être êtes-vous conscient que Dieu vous a créé avec un grand potentiel, mais le savoir ne suffit pas. Vous devez développer votre potentiel. Je crois que beaucoup de gens ne sont pas heureux parce qu'ils ne font rien pour le développer. Si vous voulez voir votre potentiel grandir de plus en plus, n'attendez pas que les conditions soient réunies. Mettez-vous en action dès maintenant. Commencez à faire tout ce que vos mains trouvent à faire. Votre potentiel prend forme lorsque vous agissez. Vous ne découvrirez jamais ce dont vous êtes capable si vous n'essayez rien. N'ayez donc pas peur d'échouer, au point de ne rien tenter. Ne restez pas dans votre zone de confort. Vous pouvez vous y sentir en sécurité, mais vous n'arriverez jamais à y développer votre plein potentiel ou à vous épanouir dans ce que vous faites. Osez vous démarquer en entrant dans ce que Dieu vous montre. Vous découvrirez alors vite ce que vous êtes capable de faire ou non. Vous êtes rempli d'un potentiel venant de Dieu. Il désire faire plus au travers de votre vie que vous ne pouvez l'imaginer. Mais cela nécessite votre coopération. Sortez de votre barque et servez-le aujourd'hui de tout votre cœur. Prions ensemble. Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur dans tout ce que je fais. Merci de m'encourager à oser me démarquer et à passer à l'action afin de développer le grand potentiel que tu m'as donné. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, retrouvez-nous sur le site joycemeyer.fr.